Eh bien, il n'y a pas de problème. Je suis contente que tout le monde soit à sa place. Vous, les nouveaux démons, eh bien, je vous souhaite une agréable aventure avec vos chers, chers participants et chers autres démons qui sont là. Donc voilà, c'était juste pour savoir si vous allez bien et tout ça, si vous êtes bien passé. Oups, désolée. Il y a Liliane, en fait, qui dit qu'on a choisi nos chambres. Parce que d'après elle, eh bien, il y a des autres qui pourraient nous prendre nos chambres. Voilà. Mais aussi, Cléo, je voulais dire que ça a l'air pas une goule très sympa. Enfin, faudrait qu'elle se tienne un peu à carreau parce que, franchement, ça peut un peu. Elle peut très voir. On peut se disputer entre nous parce que je pense que c'est une goule qui me correspond pas Et on dirait niveau bien que tout le monde a caractère trouvé et sa chambre, tout. je pense. Ouais. Bon, en tout cas, je sais juste que moi j'ai faim. Si quelqu'un a faim, venez me rejoindre. Je sais pas encore où est la cuisine. J'ai pas tout visité en ce moment. Eh bien, tu vois, je vais t'accompagner parce que moi aussi j'ai la dalle. Bonjour et bienvenue dans Les démons de la télé-réalité, épisode 4. Je voulais dire 5. Eh oui, nous sommes déjà le cinquième épisode. Déjà, je me dois de remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent, cela nous fait très plaisir. Et que vous appréciez nos démons dans la villa. Tout d'abord, je voudrais vous annoncer une information. Comme Luan a fait des élections pour les démons de la télé-réalité, avec 4 personnes retenues, elle avait demandé à ce qu'il y ait une personne comme Rebecca, qui fasse Rebecca. Et en fait, elle s'est rendue compte que Rebecca était déjà dans la course, enfin plutôt, était déjà dans les démons de la télé-réalité. Donc c'est pour ça que la Rebecca qu'elle faisait avant n'est plus disponible, enfin n'existe plus, et fera comme si elle n'était jamais allée dans l'avion, elle n'avait jamais rencontré les anges, je veux dire les démons. Donc, Rebecca sera tenue par Miss Frankie Love, normalement Jennifer. Enfin voilà, Rebecca n'aura jamais existé avant. Voilà, merci pour cette information. Enfin, merci de m'avoir écouté pour cette information. Et venons à l'épisode. Oh, il fait tout noir. C'est le matin pourtant, non? Je vais me réveiller. Je suis fatiguée en point. Mais bon. Faut que j'aille manger. Ah oui, c'est vrai, il y a Vénus. J'ai pas la réveiller pour ça, mais bon, elle dort en plein milieu du salon, ça aide de choisir. Hein. Bon, j'ai déjà allé les manger, hein. De toute façon, je suis toujours levée la première. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon ici? Bah, il y a des céréales, du lait, puis de l'eau. Ouais, bah, tout simple, je vais prendre des céréales. À ce moment-là, Claudine reçoit un message. Qui peut envoyer un message à cette heure-ci? Voyons. Bonjour Claudine, pourrais-tu dire aux autres candidates? Ouais, mais quelle candidate? Ah, il y a écrit, c'est bon. Donc, à Frankie et les personnes qui font du mannequinat, dont toi, vous irez quelque part pendant 2 jours. Et je t'expliquerai la suite quand vous serez toutes réunies. C'est quand même bizarre ce message. Mais bon, si elle le dit, faut que j'aille prévenir les autres. Mais bon, déjà, je vais punir de manger parce que j'ai un peu faim. Oh, ah, j'ai bien dormi. Oh, et je me lève. Ça se trouve, il y a déjà quelqu'un qui est levé. Hey, Claudine, ça va? Bah oui, toi, Jennifer. Juste, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Quoi? Est-ce que tu fais du mannequinat par hasard? Enfin, oui, je voudrais en faire, oui. Pourquoi? Parce que, justement, il y a quelqu'un, moi je crois que c'est Skelita qui m'a envoyé un message, comme quoi on devait tous se réunir quelque part, ceux qui font du mannequinat, plus Frankie, parce que Frankie, je crois qu'elle veut chanter, un truc comme ça. Ah, d'accord, bon bah, ok. Mais déjà, je vais manger et on préviendra les autres. Ok. Quelques minutes plus tard. Oh bah c'est bon, moi j'allais prévenir les autres. Ok. J'ai plutôt les réveiller brusquement. Ça va être trop marrant. Mais du coup, il y a Cléo. Qu'est-ce qu'elle va dire quand je vais la réveiller?
Du coup, Claudine, elle m'a prévenue qu'on allait se réunir quelque part parce que Skilta lui avait envoyé un message. On ne sait pas du tout de quoi ça parle. Et du coup, là, elle va aller prévenir les autres pour se réveiller. Franchement, je sais pas ce qu'elles vont en penser, les autres, mais moi, j'ai peur, en fait, de ce qui va se passer. J'espère que ce serait pas des éliminations parce que c'est un peu le début de l'aventure, hein, même si on est au cinquième épisode. Cléo, t'es déjà réveillée. J'ai eu peur. Si elle n'était pas réveillée, je sais pas ce qu'elle aurait pensé. Alors, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Claudine, encore? C'est à propos du message, est-ce qu'il est là? Ouais, comment tu sais ça? Je sais tout à l'avance, que c'en est la première personne à qui on m'appelle. Je sais tout, surtout. Je suis meilleure que tout le monde. Enfin, oui, je sais pas si j'y vais, mais de toute façon, je suis là pour étendre ma royauté. Donc, cela dit, faire toutes les activités possibles qui pourraient m'enrichir. Même si je suis déjà riche. Ok, bon on se réunit tous dans le salon de coiffure, ok? Et tu primes les autres? Moi? Prenez les autres? Attends, Claudine! Il n'y a que moi pour faire le boulot à la place des autres. Oh, c'est désespérant. Bon, j'ai quand même le faire. Hein. Je suis gentille. Vénus, n'y compte même pas. Mais c'est qu'elle ronfle fort, elle! Bon, allez, Francky, réveille-toi! Francky, réveille-toi! Mon dieu! Oh, mon rat! Mais toi. Ah. Qu'est-ce que je vais faire? Personne ne m'écoute. Heureusement que je me dois étendre ma royauté pour que tout le monde me vénère. Bah allez, Francky, réveille-toi! Tu m'as fait peur. J'ai eu tellement peur. Je quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tout compris en fait. Tu dois me suivre immédiatement. Et je dois remettre mon dédiem aussi. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'on fait là? Ben justement, faut attendre. Super. Oui, super. Il manque une personne, je crois, non? J'ai un petit problème, j'ai un peu tout renversé la table. Bah bon, on renversera la faute sur les autres. Moi, j'ai pas envie de faire ça, personnellement. Et je crois qu'on a oublié Olyrian, parce qu'elle aussi, elle chante au cas où. Elle me l'a pas dit, hein. Ah, moi aussi, j'ai reçu un SMS. Bah à l'instant là, même si j'ai pas mon portable, mais je l'ai reçu. Et il faut bien prévenir Olyrian. Ok, mais c'est pas moi qui dois le faire. Hein. Ok, j'ai compris, c'est moi, je dois encore bouger. S'il te plaît, j'ai pas envie de crier, mais il faut que tu te réveilles, quoi. Oh, je dormais pas de toute façon. C'est juste que j'imite très bien la personne qui dort. Alors, où on va? On n'en sait rien, mais tu donnes sûr. Ok, pourquoi pas. Alors, faut aller. Oups. Dans la salle de coiffure. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre Skelita. Bonjour tout le monde. On dirait que vous êtes là, non? Tous là? Oui, exactement. Vous voulez demander, c'était pourquoi on était là? Eh bien, justement, c'est pour un stage de mannequinat qui se trouve pas très loin d'ici et que vous allez rester pendant 2 jours pour perfectionner vos talents et pour un jour percer dans le métier. Donc si je fais aussi venir les chanteuses, c'est parce que, eh bien, juste à côté, ou à peu près à côté, il y a ça. Et aussi, vous allez devoir faire des séances photos, par exemple pour votre prochain album, voir votre potentiel en tout cas. Donc c'est pour ça que je vous ai réunis toutes les 5 ici. Et pendant ce temps-là, une petite surprise va arriver aux autres gens. Et c'est quoi? Bah ça, je ne vous le dirai pas, vous le saurez qu'en rentrant. C'est inquiétant ça. Enfin, sur ce, je vous laisse et je vous laisse prendre la limousine. Allez, au revoir les ghouls. Au revoir, Skelita. J'espère que ça va bien se passer. La trouille, pas vous? Oh, moi, avant la trouille, je ne pense pas. Ça nous permettra juste de perfectionner nos talents, même si je sais que mes talents n'ont pas évolué et qu'ils sont déjà tout parfaits. Qui est celle-là encore? Non, que les ghouls sont partis en limousine. Découvrez ce qui va se passer. Waouh, super cool les ghouls, on est enfin arrivés. J'espère qu'on va pas rien faire ici, hein, parce que j'adore danser. Vous imaginez pas à quel point. Mais vous êtes où les ghouls? Je voulais bavarder avec vous, mais vous êtes pas là. Juste derrière toi, mais bon, franchement. C'est cool, moi je suis pas toute seule. Et du coup, j'espère qu'il y aura de la musique, parce que j'adore danser et tout.
Alain! Qu'est-ce qui te prend, Viperine, au juste? Bah, je te fais un câlin, quoi. Je peux jouer une personne, je fais un câlin, c'est plutôt amical, non? Et en parlant de danser, j'aime pas du tout. Mais bon, j'adore boire de l'alcool! J'adore, c'est tellement bon! Vous avez de la colle, vous, non? Non? Ah, oh, petite salopard! Bon, je vais pas m'énerver tout de suite, hein. C'est pas trop loin, je déteste marcher! Oh, et j'espère qu'il y aura pas un endroit à peu près du shopping, je déteste m'habiller! Oh, et s'il y a des mecs, je leur pète la gueule! Ah, mais ça, ils vont me voir de toutes les couleurs avec moi! Reste normal, Zipérine, t'inquiète, tout va bien se passer. Les goules, vous parlez de quoi? On parlait de trucs à manger, les cochonneries et tout ça. J'adore ça. Et du moment qu'il n'y a pas les légumes. Les légumes, c'est vraiment dégueulasse. Ah là là, dégueulasse. Et au fait, en changeant de sujet, est-ce qu'on peut être dans la même chambre, s'il te plaît? Jennifer, on est quand même meilleures amies, hein? Bah bien sûr, Alice, tu crois quoi? On est meilleures amies, du coup, on se met ensemble, si on peut. Cool! Je peux pas plaire à la présentatrice. Oh, elle m'énerve. Mais tu l'as jamais vue. Je sais juste que je la déteste en fait. Dis-moi, est-ce que t'es timide toi? Moi, timide? Oh non, j'adore juste l'alcool. Non mais allô quoi, tu m'as pris pour une timide? Non mais franchement, tu rêves. Quoi? C'est qui elle? Et j'ai un bug. Moins vite, s'il te plaît, Médiane. Et toi, tu m'énerves, hein? Puis en plus, ta tenue, elle est moche, je me retiens de la déchirer, là, tu m'énerves. Oh là là, je me casse tout de suite, moi, hein. Tes cheveux frisés, j'ai t'arraché les cheveux, tu m'énerves, hein, bref. Et si elle a ma bouffe ici, je me gênerai pas à l'acheter, c'est vraiment dégueulasse, franchement. On dirait que c'est parti pour une nouvelle aventure. Ça risque d'être trop méga bien! Non, mais allô, on va trop déchirer, quoi. Mais j'ai besoin d'alcool, vite, vite, vite!